Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je fais cet audio, même si je ne pourrais pas le poster tout de suite parce que je suis en déplacement. C'est pas grave, parce que j'avais envie de le faire maintenant, j'ai l'occasion. L'affaire d'Israël, Gaza, etc. L'attitude surtout d'Israël, moi, m'amène à des réflexions plus larges, qui nous touchent plus dans notre quotidien. En fait, ce qu'Israël fait et comment Israël réagit, c'est à l'image en fait de certains individus, toute communauté confondue, toute race confondue, ethnie, etc. C'est-à-dire qu'il y a des... Bon, là, c'est un État. Et encore, je crois qu'ils ne sont pas tous d'accord. Hein, parce qu'à Tel Aviv, il y avait des manifestations. Bon, je ne sais pas où ça en est maintenant, mais on va dire grosso modo, bon, c'est un État qui agit de la même façon que certains individus. Alors, sur cette terre, vous devez savoir qu'il y a des individus, des gens, des hommes, des femmes, qui sont dans un... qui sont dans un tunnel de pensée dans lequel, en fait, tout ce qui compte, c'est leurs ressentis, leurs blessures, leurs envies de vengeance, leurs amertumes, leurs intérêts, leur bien-être, leur volonté de faire et de dire et de réagir comme ils veulent, quand ils veulent, de la façon dont ils veulent. On pourrait résumer ça par le mot une espèce d'égocentrisme narcissique. Mais la société actuelle produit beaucoup de gens comme ça. Pour ça que, bon, on dit Israël, mais c'est à l'image, en fait, de pas mal d'individus dans cette société, en fait, où l'individualisme est triomphant, c'est-à-dire que, je sais pas si vous pouvez vous imaginer, parce que les gens, évidemment, sont dans des tunnels, je répète, sont dans des tunnels de pensée. Mais au même moment qu'on acclame... Monsieur Marchand, parce qu'il a gagné une médaille d'or pour la France en natation. Il y a des journalistes déchiquetés, il y a des enfants qui hurlent, des femmes qui ne savent pas ce qu'elles vont manger. Et tu vois des gens sauter de joie, écrire des tweets, c'est le plus beau jour de ma vie, vive la France, des trucs comme ça. Et moi j'essaye de comprendre en fait. J'essaie de comprendre, c'est pas gai de comprendre, parce que parfois il vaut mieux ne pas comprendre, mais voilà, on ne se refait pas. Ben, ce que je comprends en fait, c'est qu'au final, les gens, l'humanisme, en fait ça n'existe pas. Ce truc, les autres, se soucier des autres, aider, c'est très sélectif en fait, c'est très sélectif. Pour se sentir concerné et faire au mieux des minutes de silence, avoir l'air un peu attristé, il faut que les personnes qui souffrent soient des gens auxquels on peut s'identifier, qui nous ressemblent, qui aiment les mêmes choses que nous, qui réagissent aux mêmes choses que nous. Et là, peut-être, il y a un petit sentiment d'identification qui fait que on va faire un petit entracte dans sa poursuite de ses passions, et un peu être compatissant par des choses basiques, minutes de silence, bougies, enfin, tout ce qu'on a pu voir ces dernières années. Mais dans le fond, quoi qu'il arrive, en fait, les gens veulent des émotions, ils veulent des illusions, ils veulent des mensonges. Moi, comme je l'ai dit, je ne sais plus trop où, l'humain dit, même en amour, hein, ne me dis pas la vérité, fais-moi rêver. Ne me dis pas la vérité, vends-moi du rêve. Je veux que tu me vendes du rêve. Je veux que tu me mentes. Je veux pouvoir sortir de la réalité. Et pour ça, je vais écouter des menteurs. Je vais voter pour des menteurs. Je vais lire les écrits de menteurs. Je vais écouter des musiques qui vont me faire oublier
je vais prendre des drogues, je vais boire de l'alcool pour oublier. C'est-à-dire que l'humain veut à tout prix fuir la réalité et toute personne qui la ramènera à la réalité sera vue comme une cible, un individu problématique. Et ça vous explique pourquoi, quand vous venez avec un message de vérité, un message logique, un message implacable, vous serez traité de intégriste, moyenâgeux, homophobe, je sais pas tous les noms là qu'ils ont en magasin, bref. Ça veut dire que si vous comprenez le concept de départ, l'écrasante majorité des gens, musulmans y compris, hein, ne faut pas se leurrer, hein. Les musulmans aussi, ils veulent que tu les fasses rêver. Raconte-moi les histoires des Sahaba. Tu vas me lire des hadiths le soir. On va faire qiyam ensemble, etc. Quoi. C'est-à-dire, c'est l'islam, l'islam festif, l'islam des rêves. On va s'acheter un mouton qui va pas saigner quand on va l'égorger, qui va être tout beau dans l'assiette. Surtout, ne montre pas l'égorgement du mouton. Tu vois, il faut le début, il faut la fin, mais surtout pas le milieu. Vous voyez? Alors le problème, c'est quand on postpose ça à la construction d'une famille. Là, ça devient compliqué. Parce que, en gros, bon, oui, les gens vendent du rêve, effectivement, dans ce qu'on appelle les mukabala. On ment, on se montre sous son plus beau jour. On cache tous ses défauts, on minimise ses revendications, ses exigences. Bon, de nos jours, c'est surtout les hommes qui font ça, parce que les femmes sont en position de force, vu que si elles s'inscrivent sur n'importe quel site de rencontre, elles ont 20, 30, 40 crèvent la faim qui leur envoient des messages pleins de compliments, trop belles, mashallah. Allahu Akbar, le créateur qui t'a fait aussi mignonne, enfin des conneries comme ça. Ça marche, hein. Ah oui, c'est vrai, hein. Bon. Et donc, en fait, elles sont en position de force. Et l'homme étant noyé dans la masse de prétendants, il ne sait plus quoi faire pour attirer une prétendante très moyenne. Il va dire amen à tout, il va renoncer à tout, il va s'anéantir, en fait. Alors, bon. Le problème, c'est comment échapper à tout ça. Comment échapper à tout ça, c'est que il faut être un humain construit. Il faut se construire. Et se construire, ça veut dire quoi? Se construire, ça veut dire que vous ne devez pas laisser que votre esprit soit accaparé, soit kidnappé par des gens, par la peur, par les passions. Parce que sinon, vous êtes en position de faiblesse. Si vous avez peur, si vous êtes prêt à tout accepter pour vous marier, si vous craignez que les gens pensent ceci ou cela de vous, ah, si je dis ça, on va dire que je suis raciste. Ah, si je dis ça, on va dire que je suis homophobe. Ah, si je dis ça, on va dire que je suis moyenâgeux. Ah, si je dis ça, on va me comparer aux talibans. Ah, si je dis ça, je vais être rejeté par tout le monde. Vous allez vivre une vie qui n'est pas la vôtre, la vie d'un acteur. Et tôt ou tard, parce qu'un acteur, il joue son rôle, puis quand les caméras s'éteignent, ben, il vit sa vie. Ici, c'est non-stop. Vous devez être dans un jeu d'acteur avec vos amis, avec vos patrons, avec votre femme, avec vos enfants, avec vos voisins, avec tout le monde, non-stop. Et à la fin, évidemment, vous vous sentez mal. Parce que vous dites, ce n'est pas moi. Moi, je ne pense pas ça. Oui, moi, je trouve stupide et ridicule et infect et infâme de nous imposer, par exemple, toute cette cérémonie des Jeux Olympiques, etc., avec tout ce qu'on y voit. Mais si je le dis, les gens vont me traiter de tous les noms. On va me dire que je ne suis pas un progressiste. On va m'accuser d'être homophobe. On va m'accuser d'être conservateur. Je ne sais pas tout quoi. Et donc les gens vivent dans cette espèce de peur
De ne pas plaire, en fait. De ne pas plaire. C'est pour ça que j'ai écrit un des premiers pas vers la liberté et la construction d'un homme fort. C'est de véritablement être sûr que j'ai bien fait, je suis poli, je suis respectueux, je suis patient, mais j'ai mes opinions. Et si, quand j'ai des opinions, je suis victime d'humiliation, ça ne me touche pas, parce que je suis convaincu par ce que je pense et par ce que je dis. Mais si vous n'êtes pas convaincu, et si le phare de votre vie, c'est les gens, alors vous ne pourrez jamais vous exprimer, vous ne pourrez jamais avoir votre avis, vous ne pourrez jamais dire « je suis d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec cela, dans mon mariage, je suis prêt à accepter ceci, mais pas cela, etc. » Vous allez être une victime d'une manière incessante. Et l'être humain n'est pas conçu pour être une victime à jamais. Après, il y a une rébellion, et parfois des rébellions graves, c'est là qu'on voit de la violence, des crimes passionnels, des règlements de compte, etc. etc. Donc, comme dirait ma grand-mère, j'ai envie de dire, qui n'était pas musulmane, mais elle avait comme ça quelques phrases pas mal, elle aimait bien dire la chose suivante. Bien faire, écoutez bien, hein, parce que chaque mot est important, bien faire et laisser dire. Bien faire et laisser dire. Donc, on commence par bien faire. Ah oui, fais bien. Sois aidant, sois respectueux, sois un bon exemple, sois patient, sois tolérant, tout, bien faire. Mais après, laisse dire. Laisse dire. Parce que tu ne pourras jamais empêcher, en fait, des gens. Moi, je l'ai vécu toute ma vie, donc je suis bien placé. Hein. Je disais récemment à quelqu'un, je crois que c'était à mon fils aîné, je lui ai dit, toute ma vie, aussi loin que je me rappelle, j'ai dû affronter soit la haine des gens, soit le mauvais soupçon, soit l'idée qu'on ne peut rien me pardonner. Il y a des gens, comme moi par exemple, qui inspirent ça. Les gens ne peuvent rien me pardonner. Parce qu'ils estiment, sans doute, je suppose, hein, je ne me mets pas à leur place, mais j'essaie de m'imaginer, ils estiment que je ne mérite pas leur pardon. Ou ils en sont peut-être incapables, je ne sais pas. Il y a d'autres gens, c'est la haine. Tu as osé me dire des vérités, je te haïs pour ça. Je te déteste pour ça. Et je vais continuer à t'écouter, parce que quelque part tu me fascines. Mais je te hais. Puis il y a le mauvais soupçon. Oui, c'est pas clair, c'est ambigu. Et on choisit toujours le pire des scénarios, tu vois. Dans le doute, on choisit le pire des scénarios. Alors, moi j'ai beaucoup cherché à lutter contre ça, depuis très longtemps. En essayant de... en me disant, ça doit venir de moi, je suis en partie responsable, je dois changer ça, je dois changer ça, je dois changer ça. Et j'ai constaté que ça n'a rien changé. Mais je vous parle depuis l'adolescence, hein, avec les profs, avec mes parents, plein d'histoires. Ça n'a rien changé. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, Allah nous a assigné des épreuves. Il y a des gens qui sont dans la misère, il y a des gens qui souffrent de maladies, il y a des gens qui sont dans l'incarcération, enfermement physique dans un endroit. Et il y a des gens qui ont ça, c'est-à-dire les autres. Les autres. Mais après, c'est étonnant parce qu'en fait, Allah, comme il fait bien les choses, même si vous avez une masse de gens comme ça, il va faire que quelques individus, à gauche, à droite, sont complètement l'inverse. Et c'est ce qui permet de tenir le coup, en fait. Parce que vous savez, si vous n'avez vraiment rien, en fait, vous voyez, si vous n'avez vraiment personne qui vous valorise, personne qui vous donne raison,
personne qui vous donne le bon soupçon, personne qui vous donne de la tendresse, du pardon, etc. Personne. Pour l'âme humaine, c'est difficile. Hein. C'est pas facile, faut pas croire, c'est très difficile. Mais Allah, bon, quand il veut du bien à son serviteur, il lui assigne cette épreuve, mais en même temps, il lui donne comme une soupape de sécurité des individus, mais rares, hein, mais importants parce qu'ils rééquilibrent les choses. C'est-à-dire que si 9 personnes vous veulent du mal, parlent mal de vous, et vous ont de mauvais soupçons, etc., vous verrez que si une est totalement l'inverse, ça peut être plus fort, en fait, que les 9 autres. C'est-à-dire que le bien est plus fort que le mal. Le mal, pour faire du mal, il doit être très massif. Il doit être très nombreux. Le bien, il suffit d'une personne de bien et tout s'illumine. Exemple, vous pouvez être dans une mosquée pleine de gens, bon, les gens ils se traînent, on tient des discours un peu soporifiques, voire hypocrites. Tout le monde est dans la combine. De l'imam jusqu'au directeur de mosquée, jusqu'au fidèle, vous êtes là parce que vous êtes obligé d'être là. C'est très dur, c'est très lourd, c'est très pénible. Mais il suffit qu'une personne dans cette assemblée vous dit des choses, ou vous fait ressentir des choses positives, bien, vraies, pour effacer tout le reste. C'est un concept qui est important à comprendre, ça. C'est un peu... Je sais pas si vous avez déjà vu ces pubs pour les vaisselles, là, comment on dit, les produits vaisselle. Je crois que c'est Dreft, je suis pas sûr. On voit un plat totalement plein de graisse. Ou, bon, ils exagèrent, c'est pour la publicité, mais c'est le concept qui est important. Un plat plein de graisse, huileux, brun, etc. Puis on voit une goutte du Dreft qui tombe au milieu. Ouf, elle s'étale et ça nettoie. Et ça dégraisse tout le plat. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut rechercher l'amour d'Allah. Parce que Allah, il ne vous laissera pas tomber. Allah, il va vous envoyer même dans un torrent de ténèbres, un torrent de négativité, de méchanceté, d'injustice, d'ingratitude. Il vous enverra une personne qui vous fera oublier tout ça. Ça me fait penser à ce fameux, enfin fameux non, pas fameux, mais hadith que j'ai déjà lu, qui dit la chose suivante, c'est très important de méditer là-dessus, qui dit, si une personne a eu que des bienfaits sur terre, de l'argent, des femmes, des facilités, bonne santé, des bons plats, tout, les yachts, Il suffira qu'on entr'ouvre la porte des enfers et qu'elle respire la première odeur de l'enfer et qu'elle ait la première vision de l'enfer pour qu'elle ait l'impression qu'elle n'a jamais connu aucun bien sur terre. Tout sera effacé, tellement la personne sera envahie de peur, de dégoût, de répulsion, de choc de ce qu'elle sent, de ce qu'elle voit. Et inversement, une personne qui aura eu que des galères, problèmes d'argent, enfants placés, humiliation, prison, rabaissement, etc., etc. Au premier moment que la porte du paradis va s'ouvrir, au premier moment qu'elle va respirer l'odeur du paradis, qu'elle va voir une fraction de seconde, paradis, les houris, etc., tout sera effacée au point qu'elle dit « Je n'ai jamais connu aucune épreuve sur terre. Je n'ai jamais eu de méfaits. Allahu Akbar, je suis pleine de bonheur. » C'est pour ça qu'il faut beaucoup relativiser nos sensations du moment. Parce que, voilà, nous ne sommes pas au paradis, nous sommes sur la terre des épreuves. La plupart des gens ici sont des vautours, des hyènes, qui se battent pour des bouts de viande avariés, de vieilles carcasses qui pourrissent. Et ils se battent pour ça.
tous les coups sont permis. On ment, on humilie, on invente, on rabaisse. Alors le problème, c'est qu'il faut manger. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a une réalité biologique qui s'impose à nous. On doit manger, on doit aller aux toilettes, on doit dormir. Obligé, personne n'y échappe. Qui peut dire « je ne dors jamais » ? Qui peut dire « je ne vais jamais aux toilettes » ? Qui peut dire « je ne vais pas mourir » ? Qui peut dire « je ne tombe jamais malade » ? Qui peut dire « quand je prends ma voiture, je risque un accident dans lequel je peux sortir paraplégique, etc. » Personne n'échappe, des plus riches aux plus pauvres, personne n'échappe à certaines contraintes biologiques. On peut mettre certaines sous contrôle, les désirs charnels, baisser les yeux, s'occuper beaucoup de sa religion, jeûner. Donc il y a certaines choses qu'on peut mettre entre parenthèses, mais d'autres pas. Il n'y a personne qui peut dire « je ne vais jamais aux toilettes ». Personne. Il n'y a personne qui peut dire « je ne dors jamais ». Donc, il y a des réalités biologiques qui s'imposent à nous. Donc, nous sommes obligés d'en tenir compte. Contraints et forcés. Mais, il faut que ces contraintes occupent le minimum de temps et de préoccupations dans nos esprits. Ça veut dire, bon, si j'ai un peu d'eau, des biscuits, un peu de pain, de l'huile d'olive, si j'ai une petite couche où me reposer, alhamdoulilah, je vais pas commencer, je vais acheter une chambre à coucher, 4000 euros, machin, truc, et les restaurants, il faut que ça si, sauce tartare, bon, vous voyez. C'est la question des proportions. Idem avec la question de mariage, de la sexualité. Les gens sont là, il faut une femme comme ci, il faut une femme comme ça, il faut qu'elle ait pas ci, il faut que dans son passé, elle n'ait pas connu ça. Bon. Au lieu de se dire, parce que les gens n'ont pas l'expérience de la vie, au lieu de se dire, Allah, donne-moi une femme de bien, qui certainement, comme moi, aura des choses pas toujours faciles à accepter au quotidien, mais une femme de bien, une femme pudique, une femme discrète, une femme respectueuse, une femme intelligente dans le débat, qui sait donner un avis sans l'imposer, une femme mesurée, une femme qui aime son foyer. Voilà, pour le reste, ya Allah, je te fais confiance, l'ethnie, l'âge, la virginité ou pas, etc. Je m'en remets à toi. Tout ce que je demande, c'est une femme de bien. Ou un homme de bien. Les gens, ils se cassent la tête. Ils sont là, oui, mais non. Et puis, ils ne voient pas leur cas, à eux. Est-ce que toi, tu es un cas facile à accepter pour une femme ou un homme? Toi qui as tellement d'exigences. Il faut réviser beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Il faut que ce bas monde ne soit pas le centre de notre vie. Il faut que ce soit quelque chose qu'on fasse, parce qu'on vit dans ce bas monde. Donc on doit penser, où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais éduquer mes enfants? Quel homme, quelle femme je vais épouser? Mais il ne faut pas que ça devienne des monuments, des espèces d'idoles, de qibla, sur lesquels ça occupe toutes nos pensées. Le drame de notre époque, c'est que toutes nos pensées sont occupées par des choses de ce bas monde. Et les vacances, et les meubles, et les vêtements, et les ceci, et les cadeaux, et les voitures, ça n'arrête pas en fait. Et on sacrifie sur l'autel du consumérisme la confiance en Allah, l'adoration d'Allah, la préparation à l'au-delà, l'espoir dans le paradis, la volonté d'éloignement de l'enfer, et de tous les maux qui y mènent. On oublie, ouais, bon, c'est pas grave, Allah est miséricordieux, on verra bien. Ouais, je crois qu'il y a quelque chose, je sais pas trop quoi, mais enfin, on avisera, hein. En attendant, moi je suis là, allez marchand, 50 mètres, la médaille d'or, ah, que vive la France, voilà. T'es là comme un singe à sauter dans ton fauteuil,
Un type qui nage, fait du sport, il sait même pas lui-même trop pourquoi, voilà. Il a un peu un don, il a un peu travaillé, peut-être pris des produits meilleurs que les autres, il gagne. Ça changera pas ta vie. Ça changera rien du tout, en fait. Et les gens sont là, occupés, omnubilés, fascinés. Subhanallah. C'est pas facile, hein, mes frères. Pas facile. Mais cette vie, il faut la vivre. Et il faut essayer de la vivre. Comme c'est pas facile, il faut quand même essayer de la vivre avec des personnes et un entourage qui vont un minimum nous aider à ne pas rater notre objectif. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes quelqu'un qui promotionne, qui défend le bien, qui propage le bien, qui condamne le blâmable, un peu ce que j'essaye de faire depuis toutes ces années, il faut savoir que Shaitan et ses armées, ils travaillent. Ils vous envoient des gens pour vous saboter, en fait. Lancent des rumeurs sur vous. Des gens rentrent dans votre vie qui sont là pour vous faire du mal, en fait, d'une façon ou d'une autre. Sihr, mauvais œil, dispute, ragots. C'est normal. Il faut essayer de casser la dynamique de quelqu'un qui nage à contre-courant. On va le faire culpabiliser. Oui, mais au lieu de dire tout ça, tu ferais mieux de te consacrer à ceci, cela. Va travailler, va nourrir tes enfants. Rentre dans le rang, arrête de faire des vagues. Vous savez, je l'ai déjà dit, Shaitan a beaucoup d'outils, hein, beaucoup de leviers. La culpabilisation, le rabaissement, plein de choses. Les doutes. Mais à un moment donné, il faut comprendre, en fait. Moi, je suis arrivé à un stade où j'ai compris quoi ? Les passions ne sont pas fondamentalement mauvaises si elles ne deviennent pas des passions, si ça reste des distractions, si ça reste des choses sympathiques, qu'on aime bien. Voilà, j'ai un aquarium, j'aime bien les poissons. Je vais pas commencer à passer 40 heures par jour à étudier les trucs, les machins, aller à des expos, faire des pages Facebook, discuter avec d'autres gens qui ont des aquariums, trucs. Ça devient un monument dans ma vie, quoi. C'est ça le problème. Le sexe, c'est bien le sexe. C'est bien. Ça apaise, c'est nécessaire à notre équilibre. C'est ce qui permet d'avoir des enfants. Il y a plein de choses bien là-dedans. Tu dors bien, la dopamine, machin. Mais si ça devient un truc où tu passes tes journées, tes nuits dans des sites X à voir des porcheries, là ça devient une maladie en fait. Une maladie mentale. Faut beaucoup, beaucoup réfléchir, mes frères. Allah nous a donné un esprit, c'est pour qu'on réfléchisse. On doit beaucoup réfléchir. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ressens ça? Est-ce que je ne donne pas une trop grande place dans ma vie à tel sujet, à telle passion? Est-ce que je consacre assez de temps au Créateur des cieux et de l'univers et à ce qu'il attend de moi? Il faut se poser des questions, il faut réfléchir, il faut faire des bilans. Le soir, comme ça, avant de s'endormir, fais un bilan dans ta tête. Ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, à quoi j'ai servi. Vous savez, moi, des fois, je suis mal à l'aise. Hein. Je scrolle un peu comme tout le monde, là, YouTube et autres. Je tombe ça, sur des Américains. Ils vont en Afrique. Pays pauvre. Je sais pas, ils vont dans des marchés et puis ils disent « À combien tu vends telle bague, tel collier ?» La personne lui dit 4 dollars, un truc comme ça. Et il dit « Si je t'achète le tout ?» Enfin bref. Puis ils sortent, bon, bien sûr, c'est pour faire de l'audimat, parce que comme YouTube paye l'audimat, les pubs, tout ça, une chose en entraîne une autre. Mais en fait, voilà, ils changent la vie de gens en leur donnant des... Dans ces pays-là, c'est énorme, hein, des 800, des 1000 dollars. Et ces gens, en fait, ont leur vie qui est bouleversée. C'est-à-dire, c'est bien de dire, ouais... Sur le net, il n'y a que des trucs, des gens qui dansent sur TikTok, qui font des conneries, etc. Ouais, mais tu as aussi des gens, ils font du bien aux autres. Ils utilisent en fait ça pour faire du bien aux autres. Et ça crée une dynamique.
Moi, je suis étonné, hein, qu'il n'y ait pas plus de musulmans qui font ça. Je voudrais bien le faire, en fait, quand j'y pense. Les gens, ils voyagent, ils vont voir des SDF, ils vont voir des pauvres en Afrique. Et les films, c'est quoi le rêve dans ta vie? Si tu avais telle somme, tu ferais quoi? Et il y a des vues, des millions de vues, des millions d'abonnés. Donc ces gens génèrent beaucoup d'argent sur YouTube, TikTok et autres. Et ils reversent une partie de tout ça à des gens pour qui c'est une grande aide. Il faut donner un sens à sa vie, mes frères. Ça, faut pas tout le temps tourner en rond, radoter. Et les gens ceci, et ma famille cela, et quand j'étais jeune ceci, et mon enfance, et ma mère, et mon père. Ah, les juifs, ah, les trucs. Ouais. Ils sont là, ils font leur boulot, eux. Les juifs, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils veulent faire le grand Israël, ils bossent. Satanistes, ils font leur boulot. Ils sont là, ils font leur truc. LGBT, truc, l'amour pour tous, jusque dans les JO. Ils bossent, voilà, ils font leur truc. Nous, est-ce qu'on fait ce qu'on doit faire? Vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des autres, est-ce qu'on fait? Ou on se plaint, on radote, on tourne en rond. Faut réfléchir. Hein. Faut réfléchir parce que le compte à rebours, il tourne. Chaque seconde que je parle ici nous rapproche de notre mort. Inévitablement. Donc le temps qui te reste, tu vas en faire quoi en fait? Le temps qui te reste, tu vas en faire quoi? Moi, j'ai passé beaucoup d'années à être dans des luttes stériles. Je regrette, mais bon, ça fait partie de ma vie. Beaucoup d'années à débattre avec des gens, à essayer d'expliquer, à essayer de m'expliquer, de me faire comprendre, d'effacer les mauvais soupçons, d'effacer les doutes. Pas grand succès. Pas un grand succès. Perdu beaucoup de temps. Au final, les gens te maudissent. C'est comme si t'avais rien dit, quoi. N'ont rien compris. Oreilles bouchées, cerveau bouché, tu peux rien faire. Le temps, c'est précieux. Moi, je suis arrivé là à 50 ans. Il y a plein de choses que je voulais faire que je n'ai pas encore fait. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Et je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire pour donner un sens à la fin de la vie qui me reste. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quel risque je vais prendre? Dans quelle aventure je vais oser me lancer? Avec qui? Comment? Je réfléchis. Et vous devriez tous réfléchir à la même chose. Et ne pensez pas que parce que vous avez 20 ans, vous avez la vie devant vous, détrompez-vous. Pensez à tous ces jeunes qui meurent à 22, 23 ans, dans des accidents de voiture, dans des faits divers, dans des règlements de compte, maladies, cancers foudroyants, leucémie. Ne spéculez pas. Vous ne connaissez pas le destin qu'Allah vous réserve. Faites attention. Ne jouez pas aux apprentis sorciers, comme on dit. C'est urgent, en fait. C'est urgent pour nous tous de donner un sens à notre vie. Et de nous affranchir de tout ce qui peut nous stopper dans la mission qu'Allah nous a assignée ici-bas. Et si on ne le fait pas, on n'aura pas été au bout de notre mission. On aurait été faible, on aurait été dans le doute, on aurait été peureux, on aurait été calculateur. Et alors on a tout raté. Certains diront, moi je vais à la mosquée 5 fois par jour, j'apprends le Coran, voilà. Ah oui, mais tout ça sert de tremplin, hein, pour d'autres choses. Ça sert pas pour tourner en rond. Hein. Si c'était ça, les anges, ils font ça mieux que nous. Hein. Nous, on a des choses à faire ici. On a des choses à faire dans le concret. Par rapport au blâma, par rapport aux injustices, par rapport aux gens qui souffrent. On a des choses à faire. On n'est pas là juste pour. Moi, ma mosquée, mon Coran, et je reste chez moi, j'attends que ça se passe. C'est pas ça l'histoire. En tout cas, si on a compris la biographie du prophète sallam et de ses compagnons, c'était l'action non-stop. Commerce, hijra, ceci, cela, razawat, mariage, truc, enfant, déménagement, truc, Abyssinie, Médine, retour à la Mecque, ça n'arrête pas. Ah ouais. La vie du croyant et de la croyante, c'est une vie en mouvement,
C'est pas une vie de spectateur statique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.